Voilà. Petite vidéo détendre. Regardez-moi ça comme c'est bugué. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est complètement bugué. C'est magnifique. Ça en fait c'est parce qu'il n'y a pas de rafraîchissement en arrière-plan. Il n'y a pas le traitement propre, correct en fait du jeu. Et du coup c'est bugué. En fait c'est pas un jeu PSP simple là, hein. C'est vraiment un truc de fichier en fait. Je vais vous montrer ça direct. Et je vais vous montrer ça après, mais regardez d'abord le jeu. Regardez, il est beau, il est fluide. De temps en temps, je sauvegarde parce que je suis un gros... une grosse fainéasse. Hein? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, ça explose. Ah, ça explose. Ça explose! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il n'y a rien. Voilà, on va un peu se promener, partout. Si ça veut bien. Oula, je commence à moi. Oula. Meurs. J'adore du Nukeduken. C'est mon enfance. Non, je vais commencer par mon enfance. Mais... je suis très très nul en PVP. Donc, je vais souvent plus me faire tuer qu'autre chose. Mais quoi, il y en a encore un. Bah, après. Ah, cool. J'avais plus du tout de batterie. Garde cette arme pour l'instant. Ah bah ça va. Non. Ça va faire rire un pote ça en fait. Tiens, c'est plus lourd à fermer après. Ah, du porn au cinéma MDR. Ah, c'est Duke Nukem quoi. C'est adorable. Le jeu tourne bien. Bon, après, tourne bien. Voilà, si vous passez en... voilà, vous voyez, il y a un petit souci. Donc, je sais pas. C'est justement pour ça que je vais vous montrer après. Après, voilà, je peux tricher comme ça. Regardez, je peux accélérer la vitesse. Donc, je peux faire ma double accélération. Donc, c'est pas ça le problème. Je peux accélérer si c'est trop lent. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ici, on va juste essayer de retrouver la zone où il faut aller. Voilà. Non. Il y avait quoi là? Hop. Préférence, c'est mieux de prévoir. Non, c'est pas le bon bouton. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Ah, merci. Oula. J'ai plus d'armes. Chiant. Vraiment, je suis vraiment à sec. C'est dingue. J'avais pas ça avant. Bon, ok, j'ai ça. C'est pas vraiment une arme. Enfin, si c'est une arme, mais c'est pas vraiment une arme pratique. Ce que je dirais avec cette arme-là, si tu tires et que t'es tout près ou si tu dois être loin, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est un bazooka, quoi. Une sorte de bazooka. C'est pas très très pratique. Bon, voilà. C'est le mot est dit. Enfin, on va se débrouiller. Je les avais déjà tués. Non. Ah bah voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ah bah oui, c'est mieux. Voilà, ça c'est génial. Que vous vous dites, ouais, ok, c'est cool comme jeu. C'est de Knuken, quoi. Non, c'est pas ça. Je vais continuer le bouton. Oui, je suis en mode easy, hein, il faut pas chercher, je suis très nul, donc... Oula, regardez-moi ça, cet effet bizarre, parce que c'est de la fausse 3D. Ah, mais... et voilà, j'ai gagné.
C'était pas difficile. Voilà. Ah ouais, ça m'a fait tout casser chez ça quand même. Bon. Merci de pas me mettre des monstres directement, s'il vous plaît. Oui, directement. J'ai pas le français. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ça. Après, oui, en effet, je peux éventuellement... voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non plus. Je fais n'importe quoi. Encore derrière. Hop. Je peux éventuellement, apparemment, selon le truc, CV. Mais je n'y crois pas trop à cette histoire. Il faut vraiment... Voilà, en fait, il ne se regarde pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ça ne se regarde pas du tout. Du tout. En fait, je peux pas valider, en fait. Non, voilà, en bref, si ça veut pas sauvegarder, c'est bugué. Et en fait, si vous voulez, bah, le jeu, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux vous montrer rapidement, parce que c'est un peu marrant. Parce qu'en fait, tous les jeux... Allô? Non, mais non. C'est dans les fichiers que je veux aller. Fichiers, stockage... Oula, du cam, connard. PSP, up game. Voilà, regardez, vous voyez la différence? En fait, tous les autres, fichiers, c'est des fichiers ISO. Vous voyez, ISO, donc OK. Yu-Gi-Oh, Kingdom Hearts. Par contre, Duke Nukem, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas un fichier ISO. Et en effet, regardez, en fait, c'est un truc différent. Voilà. C'est un fichier autrement. Par dossier, parce que je présume que c'est un vieux jeu et ça fonctionne bien, vous voyez bien. Tout fonctionne nickel, mais c'est assez spécial. Vous voyez, là vous avez vraiment voilà, tous les trucs point bat. Point bat. Et c'est vraiment comme ça que le jeu fonctionne. C'est. Voilà. Et ça a l'air de bien fonctionner, comme vous voyez. Donc c'est assez spécial, Duke Nukem. C'est un vieux jeu et il fonctionne bien en plus. Donc c'est vraiment. Ok. Ah, c'est bon. Donc ça c'est spécial. Regarde, vous voyez, les voix fonctionnent très bien. Je sauvegarde toutes les 5 secondes aussi, c'est très bien aussi. Off, on. Oui, parce que comme j'ai dit, off, c'est un peu trop ralenti. Voilà, donc c'est bon, on est dans le bon. C'est agréable à jouer, sinon à part ça, bon, quand on voit c'est une ancienne 3D, mais et quand on veut accélérer, voilà comment on fait. Hein. Oula, je suis mort. Yes. Après, je peux éventuellement ajouter des cheats. Je peux tout simplement pas me casser le cul puisque j'ai fait exprès de faire ça. Bon, par contre, j'ai pas compris pourquoi le truc il veut pas accéder. Vous voyez, avec la. Avec le joystick ou l'analogique, il veut pas, il fait son gros connard, vous voyez. Il veut pas accéder à charger état. Donc je vais faire avec mon petit doigt ou mon stylet. Ou qu'il le fasse. Voilà, et là il accepte. Je sais pas pourquoi il fait son gros enculé, mais voilà, il fait son gros enculé quand même. Bon, après, je suis pas très très doué. C'est pour ça que je regarde toutes les 5 secondes. Mais voilà. C'est quand même marrant. Oui, on peut accélérer en plus. T'as toujours l'effet bizarre de 3D complètement chelou qui est adorable de ma part. Parce que ça fait tellement vieillot et ça, j'adore. Allô?
Wow, j'ai réussi à m'en sortir. Ah, non, c'est un... Ça, c'est un sous-son, je pense. Attends, on va sauvegarder au cas où parce que je suis une grosse merde. Je m'en doutais. Ah, je suis mort. C'est pas très au point, comme vous voyez. Ah voilà, c'était un petit moment sympatoche avec ce jeu. Bon, bien sûr, là, il me propose ça, mais moi, je lui dis, va te faire foutre, j'ai pris une safe tête exprès pour pas tout recommencer, voilà. Et voilà, et puis c'est tout. Je me casse pas le cul comme ça, et indéfiniment, je joue comme ça. Après, ici, je vais activer les cheats, il faut pas rêver, hein, parce que j'ai envie vraiment de jouer à la pépère. Voilà, par contre, je peux pas tirer, il est trop loin. Ah, pourquoi j'avais plus d'armes aussi? Ouais, ça c'est bizarre par contre. C'est pas normal, j'en avais une à ma base. D'accord, et l'autre tu... T'es un grand enculé en fait. Oula, c'est mûr ça. C'est encore le mur. Allez, arrête de prendre le mur. Putain, mais pourquoi il est pas mort? Bizarre ça. C'est chelou. Je comprends pas pourquoi il est pas mort. Voilà, indéfiniment. Beaucoup de vie aussi, on va dire. Ah mais non, ça le tue lui, mais ça me tue aussi. Ah, merde. Ah. Voilà pourquoi c'est de la merde, ce truc-là, quand t'es trop près. Ça ne sert à rien. On va y arriver. Et on a réussi. GG à moi-même. Voilà, c'est du gameplay simple et pur. C'est du Duke Nukem quoi. C'est agréable à jouer, ça c'est clair, certain. Surtout que j'adore du Duke Nukem. Après c'est encore mieux avec les cheats. Parce que tu peux te balader dans les niveaux et c'est agréable quoi. Quand t'aimes bien ce genre de vieux jeu, c'est super fun. Tout le monde connaît Duck Nukem, hein, c'est pas inconnu. Comme vous voyez, c'est très aiaseux, mais ça c'est normal, c'est un vieux jeu. Hein. C'est du 360p, quoi, c'est normal. C'est un vieux jeu, mais c'est toujours génial à jouer. Donc c'était Delphish, et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo.